Alors, le 10e anniversaire de la fête du Colombo, c'est surtout l'affaire d'une association, la jeunesse de Pombiré, dédiée à la culture indienne, à la musique indienne, en particulier à travers deux personnalités, Henri Sidambarom et le Mahatma Gandhi. Et cette année, eh bien, la grande nouveauté, c'est la présence de la Riviera du Levant à côté de la jeunesse de Pombiré pour participer eh bien, à cette fête du Colombo qui n'est pas simplement la fête du bien manger, mais c'est aussi la fête de la découverte d'une culture, du culte et de l'histoire indo-guadeloupéenne, de ces milliers, de ces dizaines de milliers de personnes, d'hommes, de femmes, eh bien, qui sont venus travailler sur un territoire inconnu, la Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est la population guadeloupéenne. Ce n'est pas qu'une partie de la population guadeloupéenne, c'est nous. Nous sommes représentés à travers cette communauté indo-guadeloupéenne et nous participons avec la Riviera du Levant et la commune de Saint-François eh bien, à l'essor, à l'épanouissement, à travers des conférences publiques sur l'histoire, des plantes, du transport, de la numérologie ou des chiffres, donc des sciences et de l'apport de ces populations sur le territoire guadeloupéen. 10e édition, beaucoup de surprises, beaucoup de stress, beaucoup de bonheur, beaucoup de choses parce que c'est très difficile pour nous les associations, mais pour ces 10 ans, on a voulu faire quelque chose de beau pour la population. Très heureux parce que je pense, qu'est-ce qui nous fait nous, c'est tout ce qui est histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui est important, tenir les traditions. Et je pense que la fête du Colombo aujourd'hui, c'est une tradition culturelle, mais aussi fort pour des jeunes et des moins jeunes.